Bonsoir à tous les amis, bonjour à tous, bonsoir. Bien bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter de manière générale le sac d'évacuation. Donc avec les choses qui sont sur la table et mes amis là, mon sac d'évacuation, ce qu'il y a ici. Ici aussi, là c'est la même chose, là sur ça le couchage, voilà, c'est globalement ce que j'ai dans mon salle d'évacuation. Il y a encore beaucoup de choses à avoir, mais au moins cette partie-là est la plus grande. Donc, je vais quand même vous faire voir sans avoir, mais voilà. Donc bon, ça c'est mon ancien studio qui s'est transformé en jardinière. Bon bref, on a les fraises encore en bas de cette main. Bon, en gros ici, je ne peux pas m'approcher plus en mal de câble. Mais en gros ici, voilà, tout ce que j'ai sur les jumelles. Mes coupures pour assainir l'eau, ceinture pour le dos aussi, pour le sport, la bouffe, les cordes, une carte, diverses matos qui sont nécessaires, j'ai une vieille ceinture. Si jamais je dois faire un garrot, un réchaud de secours, fire skin, ici que vous laissez pour les gens qui ont suivi au début, tout le car, c'est une petite carte qui a plusieurs. Les bougies blanches et le masque, la nouvelle machette, il y a carrière en une pelle avec la même ouverture suisse. Voilà, on a pas mal de choses, ça c'est globalement le tout gros du sac. Alors il y a encore pas mal de choses à voir, mais néanmoins c'est ce qui est quand même relativement le plus gros. Et au moins j'avais aussi mis les bases, une idée générale. Il y a comme ma hausse à savoir. Voilà, après, comme dit, hein, ça dépend aussi de vos besoins, de vos préparations. Voilà. Une vidéo très courte pour montrer un petit peu ce que j'ai en ma hausse. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, je vous dis à la prochaine. Ciao mes amis, ma famille, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ciao.